people, to preserve freedom and peace. And for peace, the United States wants peace. We strive for peace. This time of war to shape a peace that is built on the promise of freedom and dignity for every human being. Puisque M. Mitterrand, qui a été 14 années à la tête de la France, qui a été président de la République, quelques semaines avant de mourir, a livré son testament politique à Georges Marc Benamou dans un livre qui s'appelle « Le dernier Mitterrand » paru chez Plomb en 1997. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. » Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort.